protocole dégagé, fête dégagée, les corridors, les lèvres, les toilettes, vous avez très vite, non à compris. La messe va commencer par la procession prière. Et à la bonne réconciliation, il y a qui cabine la terre. Info 243 au cœur de l'actualité. Je suis devant vous aujourd'hui libre et je parle avec vous libre. Je dois ma reconnaissance au président de la République. Je vous prends à témoin pour lui dire que je mettrai toutes mes forces mentales et physiques, morale, au service de la patrie pour son commandement. Je ne les trahirai jamais. Autant j'étais fidèle à Laurent Désiré Kabila. Jamais une seule seconde n'est arrivée à trahir. On vous a menti. Autant, désormais, je ne trahirai jamais Félix Tshisekedi. Je servirai la patrie sous son commandement. Mais Dieu, comme je le disais, a touché le cœur du président Félix Tshisekedi pour me libérer de la prison. Mesdames, Messieurs, je profite de votre caméra, de votre plume, pour dire aujourd'hui à Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, que je lui dédie le service, le sacrifice du reste de ma vie par une loyauté indéfectible. S'il n'était pas là, je ne serais pas avec vous. Je voudrais qu'on se mette d'accord, mes chers compatriotes, sur les choses dont nous parlons. Je préfère plutôt parler de la réunion ou du forum qui se tient dans les Hauts-Katanga, comme province. Ce forum se tient probablement autour de certains personnages qui viennent des autres provinces, anciennement sous-région de l'ancien Katanga, pour discuter de la réconciliation. Quel message je leur donne? Mon message que j'adresse à mes chers compatriotes qui sont maintenant dans cette réunion, et ceux qui sont ailleurs, c'est de dire qu'il est temps que les Congolais voient l'unité dans sa grandeur. Bien sûr que oui, nous avons une diversité culturelle et linguistique. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui de nous appesantir sur la collégialité du sentiment sectoriel. C'est le message que je leur envoie. J'aurais souhaité que ce forum qui se tient dans l'ancien Katanga en ces jours disent: nous avons mal fait de diviser notre province. Réfléchissons pour trouver un argument sociologique et juridique que nous portons à l'Assemblée nationale
afin d'obtenir le quitus de l'Assemblée nationale pour l'organisation d'un référendum qui permettait à ce que ceux qui se sentaient divisés injustement et qui pensent être réunis pour l'avenir obtiennent le droit de dire nous ne voulons plus être Lualabé, au Katangé, au Tanganyika et tout ça, nous voulons rentrer dans le Katanga. Ça sera la solution nationale. Ce qui est possible. C'est possible que les gens disent, parce qu'à l'époque, il y avait 6 provinces, puis c'est devenu, c'est pas 27 ou 30, après, c'est revenu à 10, puis après 11, aujourd'hui, nous sommes à 26, demain, ça peut revenir 5. Mais il faut qu'il y ait des réflexions de cadre juridique et référendaire. Mais, pour anticiper à la question de Mme Rachel, si son éminence, Monseigneur, dit dans sa phrase magique « Malheur à celui qui s'opposerait à cette unité de Katangé », mais où est-ce qu'il met le bonheur des autres Katangais qui ne sont pas allés là-bas? C'est justement, vous savez, nous qui avons fait les mathématiques, nous pouvons savoir comment faire les alliages. Quelle est la différence entre mélange et composition? Si vous prenez l'huile et l'eau, vous mettez ensemble, sans aucun procédé chimique, vous allez constater que l'eau est là, à côté, et que l'huile aussi est de son côté. Mais si vous prenez du sucre que vous jetez dans l'eau, vous ne verrez pas l'eau d'un côté et le sucre d'un côté. Vous aurez un troisième produit qui sera eau sucrée. Si vous faites des choses juste pour amuser la galerie ou pour une petite position politique qu'on voudrait lancer, ça n'aura pas d'avenir. Moi, j'imagine si les autres provinces décident de faire ça, la suite, ça sera la confrontation. Si les autres provinces aussi commencent à réfléchir comme ça, mais où est-ce que nous allons nous retrouver ensemble pour l'unité de ces pays et pour notre propre réconciliation? Il y a la maman qui me pose la question de la guerre à l'Est. C'est une occasion pour moi de féliciter tous les hommes en uniforme, l'armée, la police, et tous les services de sécurité qui les accompagnent dans cette lutte de sacrifice. C'est malheureux qu'une guerre dure 20 ans, maintenant presque 22 ans, où tous les jours on ne fait que tuer. Nous devons féliciter les militaires qui se battent jour et nuit pour tenter de trouver la solution. Aussi, dois-je vous dire, mes chers compatriotes, que la face B de la guerre, du côté militaire, ne vous est peut-être jamais dite. Nous avons beaucoup de militaires qui meurent dans ces combats-là. Beaucoup. Mais c'est difficile pour la gestion des déontologies et de contenir l'équilibre de la morale des troupes. C'est même malsain de le dire. Parce que les mois que ça provoque, ça risque de déborder. Nous perdons beaucoup de soldats. Et ils meurent pour que le pays recouvre la paix et la sécurité pour tous. Nous devons donc les encourager. Et le chef de l'État, quand il a décrété l'état de siège, à mon avis, la population devait totalement adhérer. C'est lourd quand on dit état de siège. Les gens politisent ça. Alors que c'est vous-même qui avez voté la Constitution en 2006 pour dire qui sont pour, qui sont contre. On a mis ça dedans pour dire lorsque une partie de notre pays est assiégée par les indépendantistes qui veulent nous arracher, comment devons-nous résoudre cette question? Faut-il laisser les partis politiques continuer à chanter, à danser? Faut-il laisser les gens
continuer à faire des propagandes ou faut-il réduire certaines libertés pour permettre à l'action opérationnelle de faire son travail pour retourner la paix? Mais comme toujours, ce sont des questions d'apprentissage démocratique. Il y a des gens qui estiment politiquement, non, il n'y a pas ceci, oui, il n'y a pas cela. Mais lorsque ça viendra à Kinshasa, si on se réveille un jour, on dit Kimbansé qui est partout là-bas, c'est pris, les militaires devront agir de la même manière. On va dire de ce côté-là, par exemple, que de telle heure à telle heure, il n'y a pas de circulation. De telle heure à telle heure, il n'y a pas de taxi. De telle heure à telle heure, il n'y a pas de musique. De telle heure à telle heure, pour permettre aux troupes d'avoir une visibilité qui leur permette de contenir et de détruire la menace. Même les bureaux, comment on les appelle, bureaux des partis politiques, le siège. Si les rebelles prennent ça, est-ce que les partis politiques vont entrer là-bas pour faire ces réunions? Non. Je suis d'avis que nous devons, nous tous, civils et militaires, parce que à l'époque, j'ai l'impression qu'ici au Congo, nous sommes restés avec la notion de guerre comme étant essentiellement militaire. La question de guerre a cessé d'être essentiellement militaire. Elle est aussi civile, essentiellement civile. Les militaires, aujourd'hui, ne doivent agir qu'à la fin. Lorsqu'il n'y a aucun accord civil qui réussit, alors en ce moment, on s'est dit qu'il faut la force. Mais pour que ça réussisse, il faut que la corruption cesse. Il faut que la trahison cesse. Il faut que la politisation de la guerre cesse. Il y a des gens qui refusent d'aller se battre tout en étant en uniforme parce qu'il est fils de tel président d'un tel parti politique qui est pour ou contre telle ou telle autre personne. Mais si moi, j'appartiens à X parti politique, mais mon fils qui est militaire dit moi je ne vais pas me battre parce que ce parti politique-là combat ton parti politique. Ça veut dire que la République n'est pas gardée. Pona makambo ya unité nationale, na kosenga na bakongole nyonso, bazala na esprit ya bumoko, ko vivre na kati ya réconciliation nationale, ezala bongo réconciliation ya kikabila te, ezala réconciliation ya ba province te, ezala réconciliation ya bana ya Congo tout, basi mibali. Pour que biso nyonso tota la vision moko liboso oyo mboka na biso ekoki kokende. Info 243 au cœur de l'actualité.